Du coup, les gars, je vous ai laissé juste avant sur la petite introduction de Hogwarts. Bonjour à tous pour commencer. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Donc, comme je vous l'ai prédit, Hogwarts Soulstorm. Donc voilà, c'est un peu, en fait, c'est une Abe, c'est le jeu Abe sur lequel j'avais déjà fait des vidéos avant, mais là, du coup, c'est une suite. Donc, en beaucoup mieux texturisé, etc., beaucoup mieux graphismé, je sais pas comment on dit. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'avais déjà commencé le jeu, j'avais fait une partie, je crois, hein. J'avais à peine avancé dans le jeu. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré un petit peu le truc du début. Donc, pour vous récapituler l'histoire, c'est une entreprise en fait qui font des trucs de la nourriture, etc., etc. Et à un moment, ils trouvent, en fait, ils bouffent les employés, je sais plus, il y a un truc comme ça, ils font du. Ils font la. En fait, ils font de la bière. L'ancienne histoire, c'est ça. Ils font de la bière avec les os des employés. C'est un peu dég... C'est un petit peu deg, on va dire. Attendez. J'avais pas vu ça. Ah oui, ok, d'accord. Logique. Voilà, le but en fait c'est ça. Abe doit sauver tous les autres. Lui, je pense que c'est la fin. Donc là, il va découvrir quoi? Un plan, c'est ça? Une carte? Non, non, même pas. Qu'est-ce que c'est? Vous avancerez les gars les cinématiques hein, si vous voulez pas regarder. Il a mis ça dans son sac qui était fermé quand même. Moi je dis ça, je dis rien. Mais... D'accord. Donc en fait là on a appris qu'ils sont tous en train de mourir et que du coup il faut trouver un moyen de les sauver. Bonjour, attends mais il me l'avait déjà mis ça. Ah non, ah pour parler donc bonjour, attends, aggro, passif. Ok, faut que je me rappelle. Bonjour vers le haut, attends vers le bas.
Aggro, c'est quoi? Envoûter L2, se faufiler L1. Putain, par contre, les touches sont vraiment pas pareilles, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud, patate. Sauter, s'accroupir, interagir, se déplacer, viser. Ah, c'est vrai que maintenant on peut lancer des bouteilles de d'eau, des bouteilles de lave, des bouteilles de. Enfin, c'est un peu le jeu, hein. Le jeu a beaucoup changé, hein. Comparé aux vidéos que j'avais fait avant, le jeu n'est vraiment plus le même, hein. Attends, bonjour, attends, aggro passif, faut que je me rappelle de ça. Bonjour en haut, attends, attends en bas. On peut pas passer là? What the fuck? Franchement, les graphismes sont tellement mieux. D'accord. Donc du coup on va voir. Apparemment la mission s'annonce chaude encore. Hein. Le début du jeu était un peu compliqué déjà, mais là ça s'annonce pas mal. Ils vont mettre des slicks partout autour d'après ce que j'ai pu voir. Ah ouais, il est vraiment bleu là. Hein. Donc ça c'est un point de passage. Ok. Ça c'est quoi? Trouvez les autres Mudokons ayant survécu et décide de ce que vous allez faire ensuite. Ok. Ah les gars, franchement les décors sont vraiment pas mal, hein. C'est quoi ça, oh, hein? Ah c'est le vaisseau qui passe là et genre ils m'ont pas vu là. C'est quoi ça en bas là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah attendez. Pose ta main dessus, maintiens L2 pour envoûter, pour déplacer l'orbe de Chi et activer le verrou à Chi. Ah, attendez. Ah d'accord. En fait, il faut bouger. Oh putain, les gars, c'est tellement stylé. Putain, mais j'adore. Et là? Ah, ça déverrouille en bas. Putain, mais les gars, mais c'est tellement... Oh, là, c'est tellement classe. Putain, ça y était pas avant. Alors, point de contrôle, on a rien fait. Hein. Maintiens L1 pour te faufiler, hisser et sauter sans être détecté par les ennemis. Maintiens L1. Ah, c'est pour avancer. Ah, ok. Non, mais saute. Merde. J'aurais pas dû faire ça. Putain, non, ça commence. Technologie de glucon capable d'empêcher Aid son pouvoir spirituel d'envoûtement. Ah oui, mais ça, on connaît tous. Mais là, il y en a pas, là, si. Mais non, il n'y en a pas. Ah si, il y en avait une. Ah merde. Ah, attendez. Si je vais là, normalement, elle me voit pas, donc ça pourrait être bon. Ah putain, non. Ah, mais comment je fais, les gars, là, je suis mort en fait. Fallait que j'avance. Merde. Je pourrais jamais passer, attendez. On va essayer un truc. Ah ouais. Ah, ils peuvent tirer en bas maintenant. Oh la merde! Ah putain, mais sur PS2 il pouvait pas faire ça. Est-ce que là si je descends il va me détecter ou pas? Waouh. C'est quoi le truc de feu les gars à droite là? Oh c'est tellement chaud. Mais non mais... Ah! Je
sens que le jeu va être magnifique. Calme, moyen, élevé. J'ai quoi dans la main là? C'est des bouteilles d'eau, mais on s'en fout en fait. Mais putain. En fait, je crois qu'il faut y aller. C'est quoi le truc de feu, les gars, là à droite là? Ça me perturbe par contre. Est-ce que vous pensez qu'il faut descendre? Aïe, il va se recoucher. Oh yes. Ouah, mais dès que je redescends, il me voit. C'est impossible. Ah, attendez. Je peux pas aller par là, là? À gauche, là, y a pas un... Non, y a pas. Putain. Les gars, j'espère qu'il y a pas un défi mourir zéro fois ou autre, hein, parce que là, je vous dis, moi, c'est la merde, hein. Oh là là, je sens qu'on va passer des heures. Oh, ça va être chiant. Déjà, rien que là, je sais pas comment on fait, hein. Là, si je descends, c'est clair et net, il se réveille. Donc ça, déjà, là, il y a une couille quelque part. Ah oui, non, mais que... Pff, oh là là, là 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 là. Il y a marqué quoi, déjà, ici, là? Ouais, maintien L1, machin. Ouais, bah ça, c'est bien beau, ça, mais bon, c'est... Et je peux même pas les envoûter en vrai, c'est... L'eau ne sert strictement à rien. Est-ce que si je leur jette de l'eau... Oh merde. Est-ce que si je leur jette de... Putain! Est-ce que si je leur jette de l'eau, vous pensez que ça va... Ça peut faire quelque chose ou pas? Je pense pas en vrai. Hein. Attendez, je vais essayer un truc. Ah putain, j'ai pas eu le temps, chaud. Est-ce que je peux lui jeter une bouteille? Ok, ça ne fait absolument rien. Oh, je l'ai eu. Ah, ça l'a tué. Oh yes. Ça l'a tué ou ça l'a juste... Ruban adhésif, rouleau de machin collant, c'est donc le moyen idéal de faire preuve de retenue et de compassion envers tes ennemis. Ah. Ah ouais! Oh putain, comment c'est style! Est-ce que faut jeter de l'eau là-bas peut-être? Non? Non les gars, je vais regarder, c'est quoi ça? C'est quoi? Mais attendez! Il a pu me tuer là? Sérieusement? Il a vraiment pu me tuer là? Bon, attendez. On va réessayer le même truc. Oh! Ça sort de la manette. Oh, c'est trop stylé. Bon, attendez. Je sens les gars qu'on va faire. On va avancer de. Même pas un demi-niveau par épisode. Ça va être magnifique. Ah, j'ai pas eu le temps de l'avoir, saloperie. Faudrait qu'ils viennent plus là. Voilà. Yes. Ok. On va faire comme tout à l'heure. On va lui voler son ruban adhésif. Et on va le... Beach. Ah ouais, donc là, en fait, tu peux même pas... Wow, mais les gars, mais c'est chaud. Comment je fais, là? Faut que je récupère ça. Que je revienne vite. Trouver un de plus. Ah, j'en ai deux. Non, mais putain. Mais c'est tellement de la merde. Putain, j'oublie qu'ils peuvent tirer en haut. Oh putain les gars, mais c'est trop chiant! Allez. Yes, je l'ai eu direct. Parfait. Bon, en vrai les gars, le premier, j'ai trouvé comment le niquer. Par contre les gars, le deuxième, c'est vraiment au chien. Il m'a pas eu. C'est bon. Putain, mais les gars, en vrai, mais c'est chaud là, hein, par contre, hein. Ouais, attendez, faut que j'attende qu'il passe. Et dès qu'il passe, genre, je descends et je cours. Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas?
Yes, par contre là faut que je cours, sinon il va me tirer dessus. Quoi wow. Mais il pouvait. Oh yes. Bon. On est passé. On a 8 bouteilles de bière. Ça c'est quoi? Ah, bouteille d'eau, yes. Ça c'est quoi? Bouteille d'eau aussi, yes. Ok, nickel. Donc là, il nous faut des bouteilles de bière. Donc, en fait, les gars, je vous explique. En fait, là, vous voyez, il y a de la bière en bas. Il faut jeter des bouteilles de bière, en fait, jusqu'à ce que ça se répande jusqu'au feu. Que ça fasse tout cramer et que ça fasse... Faut que ça fasse cramer... Ah, non. Attendez. Je viens de comprendre. Ok. Je peux l'envoûter, alors, ce con. Yes. Comment on fait pour tirer? Est-ce que c'est toujours pareil ou pas? Ah merde. Oh, je l'ai tué. je voulais juste tirer. Je peux pas récupérer les bières là. Ah si, yes. Bon, on a des gars, ils dorment, donc on va essayer de se manier. Faut aller là. Oh merde, il s'est réveillé. Ouah, c'est bon, nickel. Donc on a passé le petit point. Yes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des bières, mais je suis plein aussi, donc voilà, rip. Bouteille d'eau. C'est quoi cette merde? Maintenir là pour te filer ici. Oui, donc ça, oui, on savait. Ça marche pas. Donc ça, les gars. En fait, je peux pas. Dès que je descends comme ça, ils m'entendent. Je peux les envoûter ou pas? Ah, attendez, les gars. J'ai encore une idée là. Celui qui est juste en dessous de moi, je pense que je peux l'avoir comme tout à l'heure. Parce qu'en vrai, la petite boule, elle est loin. Putain, les gars, j'adore faire ça. C'est quoi la barre en haut, la calme, moyen, élevé? C'est le taux duquel je me suis fait repérer ou quoi? Ah ouais, donc là en fait elle m'allume direct. Waouh. Je vais essayer un truc. On va prendre les bouteilles de bière. On va essayer un truc. Si je vais directement de l'autre côté, il va me niquer, donc je peux pas. Par contre, attendez. Si je vais là. Yes. Ah, ça c'est juste après. Vas-y, mais crame, frère. Salaud. Attendez, mais si je vais là-bas, là, il peut me tuer ou pas, non? Oh putain. Tu vas faire un autre crame. Oh, j'en ai marre. Oh, fait chier sa race. J'en ai toujours 20 ou pas? Ouais, c'est bon. Donc ça, du coup, on s'en fout, y a plus rien dedans. On recommence. Fallait faire quoi là? Bon. Voilà. Les gars, en fait, faut foutre le feu là. Et je crois qu'il faut faire la même en bas. Merde. Là, là. Ah! Putain, en vrai, les gars, en bas, il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Allez, bouge ta race! Merci. Mais il peut me tuer à travers le feu, il peut me tuer. Oula, j'ai un appel manqué. Oh, mon rip. Je répondrai après. Bon, les gars, je pense qu'on va arrêter le... The fuck. On va arrêter le premier épisode ici, parce qu'en vrai, ça me saoule déjà. En vrai, les gars, le jeu est bien, mais... Ou alors, en fait, il faut jeter ça au moment où il passe. Attendez. Je vais essayer un truc. Cram ! Culé ! Est-ce qu'il va mourir ? Est-ce qu'il va... Oh yes ! Oh géant ! Mais c'est beaucoup trop bien ça ! Il est passé dans la bière, il a foutu le feu aussi ! Oh truc ! Truc de ouf. Là, avec celui-là, faut faire la même chose, je parie, non? Ah, il a pas cramé ce bâtard. Crame ta race. Pourvu qu'il aille pas courir dans la bière. Non, c'est bon. Là, des gars, du coup, dans la bière, il y a un truc à récupérer. Zone secrète trouvée. Yes. Donc là, faut aller où? Il faut remonter, je suis... Pause.
Putain, j'ai eu chaud là, j'ai eu chaud au cul encore. Une bouteille de bière, je suis toujours à fond. Tu as détruit 6 objets sur 35. Excusez-moi au bruit, hein, les gars, derrière moi. Comment je fais pour l'avoir celui-là? Là, il n'y a pas de feu là-haut. Ah, je peux me jeter des bouteilles de bière dessus. Enfin, de toute façon, les gars, mais en vrai, faut que j'aille où là? Ah, attendez, faut que j'aille là-haut là. Regardez. Au-dessus. Est-ce que vous croyez? Non, mais comment? Et je repars d'ici, mais nique ça. Oh là, putain, les gars, le jeu va m'énerver, je vous jure, le jeu va m'énerver. Tu fais la mise à jour de quoi là? Fornic, ah. Ah, il y a une mise à jour? Putain, tu l'avais toujours pas faite? Oh, chaud. Bon. On va essayer de reniquer sa mère à lui là. Je l'ai raté. Non, tire pas. Ça fait combien de temps qu'on est dedans là, les gars, clairement? Ça fait déjà 30 minutes qu'on est sur le premier épisode. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon frère. Ah, les gars, je sens que ça va m'énerver. Attendez, on va faire pareil que tout à l'heure. Je vais me mettre là. Je vais attendre qu'il arrive. Laisse mon téléphone. Merde. J'ai eu chaud, ouais. Laisse mon téléphone. Non, c'est un snap-flamme, sûrement. Alors, attendez, les gars, je vais attendre qu'il arrive. Je vais essayer de le cramer comme ça. On va faire pareil que tout à l'heure. S'il pourrait descendre et passer dans la bière de l'autre et cramer l'autre en même temps, ça pourrait être vraiment épique. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah, il va pas bouger. Ah, là. Ah, j'ai gagné un trophée, magnifique. Oh putain, comment j'ai eu chaud là encore. Pouah. Par contre, les gars, le feu s'éteint un peu après. Donc là, clairement, je suis dans la merde. Ah non, attendez, c'est bon. C'est vrai, je peux littéralement passer par là. Lui, on va attendre qu'il arrive. On va essayer de lui cramer la gueule. Taras. Yes. L'autre de là-haut, j'espère qu'il peut pas me tirer dessus quand même. En étant là. Attendez, je me méfie hein, parce que le jeu est tellement. Regardez, il a un petit point d'exclamation sur le crâne, cet enfoiré là. Je suis sûr qu'il pourrait me tirer de là. Les gars, me dites pas qu'il faut faire venir le feu jusqu'à là quand même. Si je reste là, clairement, je suis mort, non? Il va arriver, il va me tuer. Repars là-bas, s'il te plaît, mec. Voilà, nickel. Non, pourquoi je peux pas monter? Oh, non, s'il vous plaît, je peux pas monter! Je suis mort. Pourquoi je peux pas monter là? Je suis. Il m'a vu, non? Les gars, pourquoi je peux pas aller là-haut? Ou alors faut aller là-bas? Je peux pas aller là-bas. C'est littéralement impossible. Il y a un mur là-bas, je peux pas y aller. Attendez. Je peux pas aller en bas là. Mais what the fuck, mais faut que j'aille où? En haut. Mais j'en viens. Je vais pas aller là-bas, j'en viens là-bas. Il faut aller où là? Mais non, regarde, il y a une petite rampe là-haut, mais comment je fais pour aller là-haut? Je pense pas. Il y a une petite porte bleue au fond là-bas, en fond, mais je peux pas. Si je lance de la bière sur elle là, qu'est-ce que ça fait? Je crois que ça fait rien en fait. Ah, attendez, je peux peut-être lui cramer la gueule à elle aussi là. Est-ce que si je la crame. Attendez. Ah, ça a pas touché le feu, sa mère. Ah, je peux pas la cramer, putain, fais chier. Bon, les gars, ça me saoule. Comment je fais pour aller là-haut, putain? Oh, le jeu n'a pas de limite. Casse-toi, toi, il m'emmerde. Je peux même pas l'envoûter, là. Les gars, si j'essaye d'envoûter une demi-seconde, là, je suis mort. Je peux pas grimper par là, là. Non, putain, mais les gars, je peux pas. Mais comment faire? Je sens qu'on va avancer de même pas un demi-niveau par épisode, ça va être épique.
Non, non, là, clairement, je peux pas. Passer par là, je peux pas non plus. Et non, les gars, je suis obligé de passer par là-haut. Attendez. 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 Si je reviens là. Je peux pas remonter là. Ah ouais, carrément. Ah si, c'est bon. Y a pas un truc là, les gars. Je les avais pas déjà fouillé ça. Ah, attendez, ça c'est un truc en bois. Je peux peut-être y mettre le feu, non? Bah non, de toute façon, il y a pas de feu. Ça c'est pour refermer la porte. Les gars, je comprends vraiment pas là. Hein. Franchement, soit j'ai loupé un épisode. Il y a vraiment un truc que je pige pas là. Ah, attendez, mais je suis un bolos. Mais je suis clairement le plus gros des bolos. Qu'on se le dise. Tu tires, mec, je t'encule. Il peut pas me tirer dessus quand même là. Il va pas me tirer sur les ongles quoi. Je viens de me rendre compte que je pouvais faire un double saut. Ben voilà. Mais oh, mais qu'est-ce que je suis un boulot. Se coincer 15 minutes au même truc pour ça quoi. C'est honteux. Alors, possession. En voûte avec L2 et prend un stick. Oui, non, mais je sais les gars. Merci. Ah merde. Yes. Donc, pitch R2 pour tirer sur les autres sligues. Ok. Coucou. Ce qui est bien, c'est que eux normalement me tirent pas dessus. Ah si, ils me tirent dessus. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai. Ouais, c'est que maintenant il y a la boule en bas, donc là je pense que je suis mort en fait. Dès que je vais m'en approcher, elle va vouloir me griller, non? Ah non. Quoi? D'où? Par contre, la boule me tire pas dessus. Yes. Donc là, si je lui tire pas dessus, normalement, il me tirera pas dessus. Non, c'est bon. Mais j'ai fait. J'ai appuyé sur rond au lieu d'appuyer sur R2, sa grand-mère. Bon, attendez. Je peux le reprendre, lui? Non, non, je peux pas. En fait, dès que la machine a fait trop de voyages, je peux pas, en fait. Ah ben maintenant, oui, je pense. Là, sa grand-tante, je peux aller en bas. Ah, la machine, elle m'a grillé. Attendez. Je vais essayer de faire comme tout à l'heure. Pour nouer. On va l'enrouler avec du fil. Voler? Voler quoi? Qu'est-ce que je peux lui voler? La dernière fois aussi. Ah, du ruban encore, ouais. Yes, bon. Les gars, je pense qu'on va faire une pause là. Je ferai un prochain épisode dans une prochaine vidéo. Après, j'aimerais bien finir le niveau quand même. Ah, donc là, il faut que je l'envoûte sûrement pour tirer la manette. Yes. Oh, il a explosé. Oh, c'est crade. Ça, c'est pour ouvrir le portail en bas. Je peux l'envoûter là-dedans ou pas? Ça sert un petit peu à rien. On va avancer. Quelle est cette chose? Oula, il y a le gros vaisseau en face là. Là, je peux faire ça ou pas? Ah, la salope, elle s'est réveillée. Donc là, il faut que je lui foute le feu encore, clairement. Voilà, allez, meurs, ta race. Ah, attendez, mais là, mais je viens de me bloquer. Ah, c'est le roi des cons. Ah, mais non, attendez, mais je suis con. J'ai des bouteilles d'eau. C'est vrai que je peux. Par contre, les bouteilles d'eau se vident très, très, très vite. Hein. Là. Et là, comment je fais?
Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Quoi? Mais d'où ça? Pourquoi ça a pris feu? J'avais rien fait. Merde, ah bon, alors ça c'est simple. Ça c'est cool ça. J'ai respawn en plein sur eux, c'est... On va reprendre les bouteilles de bière. Allez, casse-toi là. Allez, reviens. Reviens passer dans le feu, mon petit copain. Il a pas... Ah, attendez. Il a de la bière sur lui. Je pense que je peux lui faire prendre feu rapidement. Voilà. Oh, comment il court, les gars. C'est tellement épique. Je veux les bouteilles d'eau. Merci beaucoup. Par contre, pourquoi est-ce que ça a pris feu, là, tout à l'heure? Quand je suis passé là... c'est bon. Donc là normalement je peux les envoûter, non? Yes. Attends, en plus je peux pas monter. Falloir que je les envoûte tous un par un. Oh là là! Quel jeu de merde, il est mort l'autre con là en bas là, hein, j'espère. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Allez, monte. Creep. En vrai les gars, franchement je kiffe le jeu, il est vraiment pas mal. À part quand on reste bloqué sur des niveaux de merde quoi. Bah comme ça. En faisant un double saut je pense. Attends. Me stresse pas, j'y suis pas encore. Enfin, quoique. Par contre comment ils explosent les gars, c'est vraiment dégueulasse. Non, je pense que je peux me mettre là et puis faire ça, voilà. Yop, et là, on va faire un petit saut. J'aimerais bien finir le niveau, les gars, pour pouvoir faire le prochain dans un prochain épisode. Parce que là, je vous avoue que ça commence à être long. Hein. Ah. Ah. On peut te rejoindre là-haut. MDR, il y a 500 km à faire. Ok. Bon, les gars, la prochaine sera pour un prochain épisode. On aura réussi à passer tout ça. Donc là, on va devoir du coup rejoindre le mec qui est là-haut. Merde. Ah putain, mais il y a du monde. Ah wesh. Ah oui. Non, mais ils sont nombreux. Mais ils sont combien là? Merde. Alors, ça, c'était vraiment cool. Tu dis truc 22 sur 35. Bon les gars, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine fois du coup pour le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Putain, mais il y a vraiment du peuple. Hein. On verra bien ce qui se passera dans le prochain épisode pour sauver tous ces petits ovnis là. Voilà. Sur ce les amis, à la prochaine. Ciao ciao.